La présentation de ce jour est assez symbolique parce que nous allons parler d'un arbre qui, si on pouvait parler ainsi, hein, est vraiment tout un symbole pour toute l'Afrique intertropicale. Il s'agit du baobab. Eh bien, voici un pied qui est là, le baobab. Hein? On est là dans un village qui est distant, on va dire, d'une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Et là, on voit un autre pied là-bas. Bon, dans la forêt tropicale de savane, hein, ça pousse, ça peut pousser spontanément, mais souvent aussi c'est planté, parce que c'est beaucoup apprécié par les populations, à cause des multiples usages des différentes parties de cet arbre que l'on voit ici, qui est reconnaissable d'abord grâce à sa frondaison, qui est une forme de cloche, hein, qui s'étend, hein, surtout à cette période de l'année, quand on arrive et que l'arbre s'est dessaisi, s'est complètement dépouillé de ses feuilles, et il n'y a que les fruits, avec des longs pédoncules qui atteignent parfois 50 cm, hein, parfois jusqu'à 70, 80 cm de long. Donc on voit, on a l'impression que c'est une sorte d'arbre, disons, renversé. C'est-à-dire que c'est les racines qui sont à l'air, tellement les branches tortueuses partent dans tous les sens, et en partant de troncs plus gros vers les troncs plus minces, donc ça donne vraiment l'impression de racines principales, de racines secondaires, de racines tertiaires, en quittant les plus gros pour aller vers les plus minces. Donc ça donne cet aspect donc d'arbre retourné avec sa tête, son feuillage donc enfoui à l'intérieur du sol, tandis que les racines plantent dans l'air. On peut reconnaître le baobab aussi à cause de son tronc massif que l'on peut voir là. On va voir tout à l'heure comment est la structure de l'écorce, hein? Mais déjà le tronc, on le voit, c'est énorme. Et en fait, le tronc, la circonférence, le pourtour, quand on mesure de ce tronc, ça peut atteindre facilement 20 mètres, hein, pour les gros pieds de baobab. Et on a avancé que le baobab, il y a certains baobabs qui ont vécu plus de 1000 ans. Donc c'est vraiment un arbre symbolique. Ces pieds que vous voyez là, ce n'est pas les gens qui vivent dans le village actuellement qui les ont plantés, hein. Ce sont les arrière-grands-pères qui les ont mis là. Et bien entendu, les personnes qui sont là actuellement doivent prendre soin de cet arbre. Par exemple, là-bas, nous voyons qu'il y a un pied de Ficus platyphylla qui a commencé encastré au sein de l'arbre et qui petit à petit est en train de croître. Donc celui-là, il est sous menace. Si on ne fait pas quelque chose en enlevant le ficus, eh bien c'est le ficus qui aura le dernier mot. Revenons donc à notre pied de baobab. Voyons donc que c'est très haut. Hein. En fait, dans la pratique, le baobab peut avoir de 10 à 15 mètres de haut. Et le tronc, on peut voir sa couleur si on s'approche un peu plus près. Voilà le tronc. Hein? L'écorce est assez, on va dire, c'est lisse. Hein? C'est la surface même, elle est lisse. Hein? D'une couleur, la couleur normale, c'est quand même du gris clair. Et si on fait une petite entaille, hein, surtout à cette base, hein, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Une couleur, vous voyez, il y a une couleur verdâtre qui apparaît. Et ensuite, on rencontre donc la couleur véritable de la chair de l'écorce, hein, qui est une couleur plutôt orangée. Hein, nous voyons clairement ici. Et ce qui est remarquable ici aussi, c'est qu'il n'y a pas eu trop de prélèvements, n'est-ce pas? Prélèvements de personnes, hein, sur ces arbres, ce qui est déjà une bonne chose. En tout cas, même s'il y a eu des prélèvements, l'arbre a refait son écorce parfaitement. C'est un arbre très résistant et qui a de multiples usages, on a dit. Hein. Pour la description de la feuille, le baobab, il vaut mieux le considérer en début de saison. Voilà, hein, un baobab qui est là donc en pleine feuille. Donc on est là actuellement au mois de juillet, hein, en zone tropicale de savane. On voit que
Il y a des feuilles qui ont commencé à pousser depuis un certain moment. Ce qui est assez remarquable d'ailleurs aussi, on voit qu'ils portent des jeunes fruits à certains endroits. On peut voir des jeunes fruits qui sont pendants là, une espèce de boule plus ou moins allongée, une forme oblongue. Et aussi des fleurs, on voit quelques fleurs. Donc, c'est ça. Les feuilles, j'ai fait descendre un rameau. Là, on voit les feuilles qui sont disposées le long du rameau là, avec leur pétiole qui s'attache d'une façon, disons, une disposition plus ou moins alternée. On ne peut pas parler de spirale complète, c'est plus ou moins alterné, mais ce n'est pas opposé. Avec des pétioles assez longs, un peu élargis à la base, comme on peut voir ici. Ça, c'est des feuilles qui sont relativement jeunes, mais la longueur de pétiole peut atteindre jusqu'à, sur les feuilles pleinement développées, jusqu'à 12-13 cm. Hein. Celui-là, c'est 9 cm. 9 cm, sur certains même, plus, presque 10 cm. Alors, ce long pétiole va donner donc sur des folioles. La feuille est, on dit, digitée, n'est-ce pas ? Les folioles sont séparées comme ça. Hein, comme les doigts de la main, c'est digité. Et il y a 5 folioles en fait sur la feuille. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il en a 6, mais en général, c'est 5. Hein. Ici, là, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là? Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces folioles sont disposées comme ça. Et on voit que les folioles, même sur les feuilles les plus développées, hein, sont de taille inégale. Eh bien, la foliole médiane, est plus développée en général que les folioles qui sont à la base. On peut regarder la dimension de la médiane. Alors là, on a là jusqu'à combien? On va dire jusqu'à 7, presque 8 cm. Et la forme, on peut voir, c'est d'une forme obovale, c'est-à-dire que le tiers supérieur est un peu plus élargi que le tiers inférieur, donc l'œuf inversé. Et la couleur est vert, un peu luisante. Hein. Là, la largeur, on peut la voir, elle est de l'ordre de 4 cm ici, quand bien déployée. Les bordures sont plus ou moins ondulées, avec des nervures en face supérieure assez visibles, hein, et marquées plus en relief, avec une légère pubescence au dos. On peut compter les paires de nervures secondaires. La nervure principale, elle est là, elle est très saillante. Les paires de nervures secondaires, c'est... Bon, on a dit folioles, mais en fait, c'est des foliolules. Le foliole, c'est tout ça, là, en fait, qui est divisé en foliolules, on peut dire. Et donc, si on compte les nervures secondaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va dire une vingtaine de nervures secondaires bien saillantes. Et la feuille au dos est légèrement pubescente, on peut voir, tandis que c'est glabre à la partie supérieure, la couleur étant vert un peu blanchâtre au dos et vert vraiment foncé à la face supérieure. Alors, et donc, avec le développement végétatif, cet arbre va donner, bien entendu, des fleurs d'abord. Si on regarde très bien, voilà, c'est beau, hein, parce que le baobab est un arbre gigantesque, il s'agit d'une fleur là. La tête un peu rougeâtre, mais en réalité, c'est plus blanc que rougeâtre. Mais nous avons fait descendre justement ces fleurs pendantes. Qui sont, ben, bon, en faisant chuter, le pédoncule s'est cassé. Mais sinon, voilà, c'est donc long pédoncule qui peuvent atteindre facilement 20 cm. Hein, la division de ma règle là, c'est 20 cm. Voilà, facilement, ça a atteint 20 cm. Et assez charnu, avec une dimension d'à peu près 1 cm de diamètre, hein, pour le pédoncule qui porte la fleur, et qui s'élargit un tout petit peu en allant vers les éléments de sépales, hein, que nous voyons ici, que nous pouvons bien compter ici. Hein, c'est très charnu. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6. Et donc en correspondance, il y a les éléments de pétales qui sont à l'intérieur, qui sont charnus, blanchâtres, il va y en avoir également 6 en correspondance avec les sépales. Alors, c'est bien sucré, voilà pourquoi
En général, sur le baobab, on va trouver hein, les abeilles, les mouches, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la fleur va s'ouvrir, donc, on voit là un diamètre qui atteint facilement, disons, d'une extrémité de pétale à une extrémité de pétale, ça atteint facilement 17 cm, hein, et peut-être même parfois 20 cm sur les fleurs les plus développées. Ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'arbre comme un peu rougeâtre, c'est plutôt brun. Et quand la fleur s'est ouverte et elle est en train de se faner là en fait. Et on voit là au milieu cette espèce de champignon qui monte, hein, qui est à l'organe, qui comporte en même temps l'organe mâle et l'organe femelle. Donc ça c'est, hein, voilà le stigmate, hein, qui est dans le bout s'allonge ici. Et là on voit de nombreuses étamines, je pense qu'il y en a au moins 500 ici, qui sont là avec les anthères, on le voit bien. Et si on regarde leurs dimensions, chaque étamine peut avoir facilement 2 cm, 2 à 3 cm de long. Tandis que le stigmate qui a l'ovaire à sa base, hein, le stigmate, si on compte depuis la base là, hein, jusqu'en haut, ça atteint, déployé, hein, jusqu'à 12, 13 cm de haut. Et donc, avec le temps, le pollen qui vient donc des anthères ici est déposé sur le stigmate et puis ça féconde l'ovaire à l'intérieur et les beaux fruits que nous avons montrés là, le fruit de pin de singe, va commencer à se former. Il y en a de jeunes là, de très jeunes, par là. Hein, je ne sais pas si on peut les voir un tout petit peu zoomer là-dessus, on va essayer. On va essayer de zoomer un tout petit peu là-dessus. Alors peut-être que ce sera un peu. Voilà, on voit les fruits qui sont là, un peu des petites boules vertes. C'est ça le faible, le pin-singe. Voilà. Alors les fruits sur l'arbre viennent en général très nombreux. Hein. Si on regarde ce pied de baobab qui est là, on peut voir hein, facilement. Il y en a qui ont été enlevés déjà, mais si on regarde toutes les positions de longs pédoncules là, pouvons constater qu'on a facilement entre 500 et pour les pieds très denses jusqu'à 1 millier de fruits par pied. Et donc c'est assez extraordinaire, remarquable comme arbre. Maintenant, on va peut-être prendre un fruit et décrire un peu plus en détail comment ça se présente. Donc le long pédoncule, ici, quoi, on a jusqu'à 42, 43 cm. Hein. De long hein, pour ce fruit et donc les fruits vont se présenter en ce moment sous forme de disons de baies à des formes qui varient entre l'ellipsoïde hein, et l'ovoïde. Parfois aussi on a des fruits, j'ai des exemples hein, exemple de fruits qui ont une forme assez variée. On peut dire que celle-là a une forme disons ovoïde hein. Tandis que celle-là, voilà, c'est le milieu qui a un enflement plutôt. Hein. Ce n'est pas vraiment une forme purement, disons, ellipsoïde. Hein. Donc il y a des formes qui sont assez variables. Ces deux-là ont des formes qui sont différentes de ça. Donc ça, c'est le fruit pleinement mûr. Et on peut mesurer la taille hein, de ces deux. On voit que d'abord, l'enveloppe externe du fruit est recouverte d'une sorte de duvet. Hein, quand on touche, c'est comme du velours en fait. Mais attention, ça gratte. Hein, quand ces petits poils s'enlèvent et touchent la peau, ça donne envie de gratter. Mais c'est très doux. C'est vraiment comme un tapis de velours hein, qu'on voit là. Et on voit le diamètre ici. Disons le rayon, quoi. L'épaisseur de la. Du fruit, on va dire donc le diamètre, hein, c'est de l'ordre de 12 cm. Hein, tandis que là, on a une longueur de 25 cm. En fait, on donne une longueur de 15 à 25 cm en général pour ces fruits-là. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des graines noires, on va ouvrir ça tout à l'heure. Mais nous pouvons faire remarquer, à partir d'un jeune fruit, déjà, que ce qui a constitué avant, disons, les sépales, hein, demeure ici, tandis que les pétales ont été remplacés par la partie fruit même. Et on peut compter les éléments on peut recompter, si vous voulez, les éléments de sépales. Il y en a un ici, deux, trois,
hein, ensuite 4 et 5. Il y a 5. Donc très probablement aussi, on pourra trouver ça sur la plupart des arbres de cette catégorie qu'est le baobab, hein, appelé en fait en nom scientifique Adansonia digitata. Alors, il serait intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fruit, et pour ça, nous allons faire usage de ce fruit mûr de notre petit couteau. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Si je déploie le couteau, si je déploie le couteau, eh bien, on va. Il y a déjà une cassure, une fente sur ce fruit-là. Donc, on peut déjà ouvrir là. Voilà, ce sera parce que c'est un peu dur, hein, à enlever. Donc, on va laisser l'autre. Et celui-là, il faut faire attention aussi en enlevant, parce que nous avons dit que ça gratte. Voilà, on voit ces fibres-là, hein, qui sont là d'abord. Et on trouve des graines à l'intérieur, hein, des graines de couleur, on va voir tout de suite. Hein. Alors, il faut user d'un peu de force pour enlever ça carrément. Voilà comment ça se passe. Hein, donc, les graines sont comme ficelées par cette espèce de fibre. D'ailleurs, la notion de fibre est présente dans tout l'arbre, en fait. L'écorce est faite de fibres très, très, très abondantes. Hein, et quand on regarde, donc, en fait, quand on enlève donc cet enchevêtrement, cette sorte de chevelu, hein, hein, on trouve à l'intérieur, noyé dans des masses blanchâtres, masses farineuses, en fait, hein, on trouve des graines qui sont plutôt d'une couleur noire. Les graines, disons, germent assez facilement. Hein, on a avancé des chiffres comme un taux de germination de jusqu'à 80% à 26 degrés, donc il ne faut pas que les températures soient extrêmes. Hein, hein, cette graine est encore un peu noyée dans la farine. Hein. Alors, je vais entailler un tout petit peu autour. Hein, voilà, pour qu'on voit la forme exacte de la graine. Et la taille est, en fait, environ 1 cm, quoi, 10 mm. Et là, on voit la graine qui apparaît. Voilà. Avec, disons, une petite fente au milieu. Et c'est par là que la germination va arriver. Et cette pulpe poudreuse, farineuse, se suce. Il a un goût légèrement acide, mais sucré. C'est légèrement acide et c'est sucré. Les graines sont noirâtres. Donc cette farine est riche en vitamines, notamment les vitamines C. Et aussi en calcium, hein, très riche en calcium. Et on trouve donc sur les marchés locaux, en vente, ce fruit de baobab. Notamment la pulpe de farine, parfois les gens extraient ça même pour faire carrément de la poudre qui est vendue et qui est jugée avoir des vertus médicinales. Alors donc, cela nous amène à parler en fait des autres usages du baobab. En fait, sur les jeunes branches, on peut enlever carrément de longs éléments, hein, d'écorce qui sont très fibreux, qui vont servir à fabriquer, les éléments vont servir à fabriquer ces écorces, ces fibres, si vous voulez, vont servir à fabriquer des cordes toutes simples que les gens utilisent pour différents usages, pour suspendre des objets à l'intérieur des maisons ou autres, mais aussi des cordes même pour faire des paniers, pour attacher les éléments souples en bois des paniers, des cordes pour faire des filets de pêche, hein, ça s'utilise à tout ça. Et en plus de ça, les feuilles de baobab sont utilisées, surtout les jeunes feuilles, les feuilles très tendres. Hein, à un moment donné, on va voir apparaître ici les feuilles. Hein, les feuilles très tendres sont utilisées directement ou on les sèche, on réduit en poudre. Et ça donne une sauce très très gluante. Hein, et ça a une propriété gluante. En fait, c'est même plus gluant que le gombo. Et que les gens apprécient, qu'ils mettent par exemple dans le taux pour servir dans les maisons. Le taux qui est fabriqué à base de cette pâte donc alimentaire qui est fabriquée à base de farine de mil ou de farine de maïs ou même parfois de farine de riz. Hein.
Donc ça, c'est des usages vraiment extraordinaires du baobab que l'on va retrouver dans toute la partie de l'Afrique tropicale de savane. Alors maintenant, Adansonia digitata a des applications en termes de médecine qui sont également énormes. Il y en a beaucoup et nous allons lister ça à la fin, mais pour l'instant, nous allons donner les noms que les populations locales donnent dans les diverses langues à cet arbre merveilleux qu'est le baobab. Les Malinké ou les Bambara du Mali, ou encore les Djula de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, les Djula du Niger, ou les Djula de l'Afrique occidentale en général, vont appeler Adansonia digitata Sira, ou bien Sira. Côté Burkina, disons, les Mossi vont l'appeler Twega, ou bien Twega. Tandis que les Peuls du Burkina vont l'appeler Boki. Les Sénoufo du Mali vont l'appeler Zengue. Au Niger, les Beriberi vont l'appeler Bulukuwa. Tandis que les Hausa vont l'appeler Kuka. En German, on dira Koumia. En Tamashek, ça sera Teidrumt. Teidrumt, toujours au Niger. Hein. Et au Sénégal, les peuples tukulaires vont l'appeler Boki, ou bien Boyo. En Sérère, on va l'appeler Ibak, ou bien Mbak. Tandis qu'en Wolof, ils vont l'appeler Tega, ou bien Ndaba. Il y a beaucoup de noms là-bas, ou bien Gui. Hein? En Néwé, au Togo, ils vont l'appeler Adido. La langue des Losso du Togo, ils vont l'appeler Todi. En Côte d'Ivoire, maintenant, en langue baoulé, ils vont appeler ça Frondo. Tandis que, les fonds qui vivent en Côte d'Ivoire vont l'appeler Zizon. Maintenant, quand on part côté Bénin, en langue des Bariba, vont l'appeler Donvo, ou bien Sona. Dans la langue Adjalaba, au Bénin, ils vont l'appeler Olagba. Tandis que, toujours au Bénin, hein, en Minan, on va dire Dido. Tandis qu'en Yoruba, on dira Kuka. Kuka. En Pont, toujours au Bénin, ils vont l'appeler Passa, ou bien Zouzon. Et donc, en Guinée, Guinée-Conakry, bien sûr, eh bien, les Malinké vont l'appeler aussi Sira là-bas, comme nous avons dit. Tandis que les Peuls, Kula, vont l'appeler Boki. Boki. Bon, au Mali, on peut prendre toujours les Dogons, hein, ils vont l'appeler ça Oro. Oro. Hein. Tandis que en bois, hein, ou la langue des bobos du Mali, ils vont l'appeler Ilé. Voici donc tiré de la littérature, hein, quelques noms qu'on trouve chez les populations locales pour nommer Adansonia digitata. Pour ce qui est donc des, comme nous avons dit, hein, pour ce qui est des usages en phytothérapie, nous allons lister une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute ou partie de cet arbre merveilleux qui mérite toute sa place dans notre biodiversité qu'est Adansonia digitata. D'ailleurs, il est remarquable qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a parcouru des kilomètres et des kilomètres, hein. Nous avons dit une cinquantaine de kilomètres de là où l'on réside, pour trouver ces pieds qui sont regroupés ici. Et parce que c'est vraiment abondamment utilisé, l'écorce, les racines, les rameaux, les fleurs, les fruits, et tout est utilisé dans cet arbre. Et en plus, c'est un arbre millénaire, c'est-à-dire qu'il vit très, très, très longtemps. Donc, tout un symbole pour la vie au niveau du village, qu'il est important de préserver, qu'est Adansonia digitata. Donc, nous encourageons les gens à participer à la conservation, hein, dans notre biodiversité de cet arbre. Les graines germent assez facilement, on peut les placer dans nos champs, lorsqu'on fait un peu de sylviculture, hein, on peut les placer en bordure, par exemple, de champs et les faire pousser, d'autant plus que les usages sont multiples.